Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Chris d'Areus Movies pour un achat cash et autres. Le numéro, je ne sais pas, on doit bien être dans les 44-45 je pense. Là j'ai mis un petit concert des Red Hot Chili Peppers live at Slane Castle hein, qui est vraiment excellent, qui regroupe tous leurs meilleurs titres. Très très bon DVD de concert. Je vais vous présenter plusieurs films, il y a DVD et Blu-ray, il y a des trucs vraiment pas mal. Et toujours dans un souci d'économie, des achats très très raisonnables, très très sympas. Et il y a des trucs que j'ai depuis quand même quelques temps, hein. Il n'y a rien de vraiment récent, c'est-à-dire d'aujourd'hui on va dire. Mais j'ai fait pas mal d'achats, donc comme je vous avais dit en mai, juin, juillet, et j'ai pas fini de vous présenter tous mes achats hein, parce que j'en ai fait vraiment énormément. Et voilà, je vais vous présenter quelques films pour pouvoir les ranger dans mes étagères et vous faire partager un peu le pourquoi de ces achats. Alors, je vais commencer par un film acheté à Noz. Un film que j'étais... Le titre m'a tout de suite interpellé, même si sur le coup je ne savais plus trop ce que c'était. Et c'est Burying the Ex. Donc c'est un film de Joe Dante, hein, qui on doit à Gremlins, comme vous le voyez, 1,99€. Et c'est avec Alton Yelchin. Alton Yelchin, comme vous avez dû l'apprendre, hein, il est mort il y a un an. Vraiment d'une façon très bête, hein, à savoir que en garant ou en rentrant son Jeep Cherokee dans sa propriété, il n'avait pas mis la vitesse sur parking et laissé au point mort, et quand il est allé refermer son portail ou quelque chose du genre, la voiture qui était un petit peu en pente apparemment, l'a écrasé contre le portail. Franchement, c'est chaud, bouillant de mourir comme ça à 27 ans, c'est assez atroce. Bon, de toute façon, toutes les morts sont atroces, enfin voilà. Mais bon, faut avouer que là, c'est quand même bien particulier. Bon, toujours est-il que l'histoire de ce film m'a beaucoup plu. Je vous la lis, elle est très courte. Max décide de s'installer avec sa petite amie Evelyn, mais il réalise qu'elle est ultra possessive et manipulatrice. Il veut donc la quitter, mais il y a un problème. Il a bien trop peur d'elle. Le destin entre alors en jeu. Le jour où Evelyn décède d'un accident, laissant Max libre de rencontrer qui il veut. Pour un temps. Ça a l'air vraiment très bien. Très content d'avoir trouvé à ce prix-là. Donc, Burying the Ex. Alors, il y a une trilogie célèbre. Hein, j'ai galéré franchement pour arriver à réunir les trois. Mais finalement, vous voyez, avec un peu de patience, on y arrive. Sans les acheter sur Amazon, toujours soit cash ou brocante, j'ai fini par trouver les trois. Donc au départ j'avais trouvé Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, je crois que c'était le premier. J'ai ensuite trouvé plusieurs fois assez facilement Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Mais il me manquait, si vous faites le compte, dans les trois principaux on va dire, parce qu'il y a quelques séquelles mais qui sont pas aussi bien, il manquait Y a-t-il un flic pour sauver le président. Donc là c'est chose faite, je l'ai enfin trouvé. Donc The Naked Gun, la trilogie, vraiment je suis très très content. Avec l'immense Leslie Nielsen, hein, franchement, je me filme au Leslie Nielsen aime pas mal aussi, hein, j'ai pas mal de trucs. Donc très content d'avoir trouvé ce troisième. Alors là, sans transition aucune, hein, parce que c'est vraiment pas le même style de film, c'est Le Patient Anglais avec Juliette Binoche et Ralph Fiennes. Un film que j'ai vu il y a déjà un petit moment, que j'avais en VHS quand il était sorti, je me souviens que je l'avais acheté sur les conseils de ma sœur justement encore une fois. Et franchement le film est exceptionnel. En fait si je me souviens bien, Juliette Binoche est infirmière, Ralph Fiennes c'est un mec blessé et en fait il est brûlé je crois ou défiguré, quelque chose comme ça. Et il est plus ou moins amnésique et au fil des jours sa mémoire va revenir auprès de l'infirmière et il va raconter un peu son histoire. Et franchement vous voyez, véritable chef d'œuvre du film romantique, au même titre que le Docteur Jivago ou Casablanca, ce film a obtenu 9 Oscars dont celui du meilleur film, vous voyez. Donc j'étais très content de le trouver. Alors encore une fois sans transition, trois films de Gérard Oury avec un acteur que tous les Français connaissent. Hein. Là, pour le premier, justement,
enfin non, même les trois, ouais. Les trois, c'est vraiment des binômes de dingue, des duos de fous. Le premier de Gérard Houry, La Folie des Grandeurs avec De Funès et Yves Montand. Je ne vous fais pas l'affront de vous raconter l'histoire, mais franchement, j'étais super content de le trouver. Parce que j'ai vu plein de fois à la télé, mais je le possédais pas. Et donc, je suis vraiment très très content de l'avoir. La Folie des Grandeurs. Et je me suis pas arrêté là, hein, forcément. J'ai trouvé La Grande Vadrouille, hein, que je ne possédais pas, monte à moi. Alors, ce qui m'a fait assez halluciner, c'est ça. Nouvelle version restaurée en 4K, en DVD. Une édition apparemment toute récente, moi je l'ai trouvé à 2€, je crois, un truc du genre, même pas, 1,90€. Et vraiment très très content de retrouver cette édition de La Grande Vadrouille. Je veux pas tous les films de De Funès, hein, loin de là, moi les gendarmes, ils me plaisent pas plus que ça. Les Fantomas, très moyen, sauf si je les trouve à un prix abordable peut-être. Je sais qu'il y a un coffret avec les Fantomas, si je le trouve, ouais, à un prix pas cher, je pense que je le prendrai. Et ensuite, il y en a deux que j'aimerais trouver, c'est Rabbi Jacob, hein, pour l'instant je n'ai pas. Et l'autre, c'était ben, Le Corneau. Donc très content de l'avoir retrouvé également en version restaurée. Alors, je l'ai trouvé dans le même magasin d'occasion. Donc je pense que c'est la même personne qui leur avait revendu, hein, certainement un fan, hein, soit de Gérard Houry ou de Funès. Donc là, comme dans La Grande Vadrouille, on retrouve Bourvil et Louis. Et franchement, c'est excellent. Le Corneau, moi j'adore, avec le Yukunkun. Je ne sais pas si Yukunkun que j'en ai l'air. Et La Grande Vadrouille, on n'en parle même pas. Et franchement, bon, voilà, c'est quand même les films, les piliers du cinéma français. Et je suis très content de les posséder. Là, on retourne à du cinéma américain. Voilà, comme je l'aime bien, les comédies où on se prend pas la tête. Et celui-là a une super réputation. C'est Bad Moms, ras-le-bol de jouer les mères parfaites. Et effectivement, c'est vrai qu'on demande beaucoup aux femmes, hein. Entre le travail, la maison, les gosses, le mari, franchement, il y a des fois, je peux comprendre qu'elle pète un câble. Et là, c'est ça en fait, hein, c'est les mamans qui sont un peu au bout et qui en ont marre de leur petite vie, puis elles partent un petit peu en live. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un peu un very bad trip, on va dire, féminin ou genre quoi. Donc très content de l'avoir eu, celui-là je l'avais eu à Cultura au mois de juin, là quand je m'étais bien lâché, là que j'en avais acheté plein. C'était dans l'offre 8 pour 45, voilà, 8 DVD pour 45€ à l'époque. Donc celui-là je l'avais pris dans ce cadre-là. Ensuite, je garde le Blu-ray pour la fin. Le dernier DVD, ce sera, il y a quelques temps, j'étais très content d'avoir trouvé et acheté... Le Blu-ray de Sister Act, le premier. Là, il s'agit de Sister Act 2 en DVD. Très content de l'avoir trouvé aussi dans un état impeccable. Vraiment sympa. Et le dernier... Alors, c'est pas un seul film, c'est du Blu-ray, mais c'est un coffret. Et c'est un coffret que j'ai eu lors des Prime Day, du Prime Day sur Amazon. Donc, un coffret de Sylvester Stallone. D'ailleurs, j'ai vu Détox hier, que je n'avais jamais vu, et franchement, c'était pas mal. Donc, le coffret Stallone avec, accrochez-vous quand même, avec Creed, hein, que j'avais déjà, Match Retour, que j'avais déjà, mais dans un truc différent. Assassin, que j'avais pas, L'Expert, que je n'avais pas, Demolition Man, que j'avais, mais Tango et Cash et Cobra, je les avais pas en Blu-ray non plus. Donc très très content de choper ce coffret, surtout quand je vais vous parler du prix, vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. Donc vous voyez ici, il y a Cobra, Tango et Cash, Demolition Man, L'Expert, Assassin, Match Retour et Creed. Donc super content d'avoir trouvé ce coffret Sylvester Stallone. Alors si je me souviens bien... il était, oui c'est ça, il était à 24€ et il y avait 50%, donc je l'ai payé 12€. 12€ pour 7 Stallone en Blu-ray, franchement, j'étais obligé de craquer. Enfin, c'est même pas un craquage, là, c'est hyper raisonnable. Donc voilà, très très content. Donc c'était la fin de cette vidéo, je vous ai présenté donc ce coffret Stallone en Blu-ray, Sister Act 2 en DVD, Bad Bombs, Le Corneau, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Le Patient Anglais, Le Y a-t-il un flic pour sauver le président, enfin trouvé, et le premier film que je vous avais présenté, c'était Boring the X. Donc, bah voilà.
C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, effectivement. Et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, à très vite. Ciao.